Ah ouais, c'est trop beau. J'ai fait un genre de dégradé, regarde. Mais ça, c'est mon pas dans ce dégradé. Hein. Ouais, on a mis plein de trucs. Oh, mais j'ai fait un dégradé même. J'ai fait un beau dégradé aussi. À l'école primaire, en tout cas chez les petits, la poésie, ce sont souvent des récitations, mémorisées, récitées. Mais entrer en poésie, donc comprendre l'essence même de la poésie, ça ne se fait pour ainsi dire jamais. Or ici, c'est ce qu'on voulait, c'était donner une porte d'entrée aux enfants, mais pas en entrant directement dans des textes poèmes, mais aller plutôt sur des artistes et voir le monde avec des yeux de poète. Il est faisable d'entrer en poésie même avec des tout petits. Ils ont encore plein de magie en eux et c'est même plus facile de les rattacher à cette magie. Une fois qu'ils sont plus grands, ben vous avez les enfants qui se mettent des filtres. Partir des tableaux, partir de musique ou autre, c'est pour moi plus facile que d'entrer directement dans des textes, dans des poésies plus classiques. Pierre Coron, il nous dit: la poésie, elle est partout. Prenez le temps d'écouter l'oiseau, la rivière, les vagues, le feu, le vent, les coquillages, les cailloux qui parlent. Plutôt que de se dire, ben, je vais m'accaparer le caillou, c'est plutôt, et si c'était le caillou qui avait quelque chose à me dire? Vous entrez en poésie à travers les sens, c'est comme des fenêtres, et Miro, il ne cesse de faire ça, d'ouvrir des fenêtres. C'est vrai que notre support principal cette année, ce sont les tableaux, mais on écoute les tableaux. On ne fait pas que les regarder, on les écoute, on observe leur musique, leur couleur, et tout ça, c'est déjà de la poésie. Et donc, on a fait vraiment tout un travail là-dessus, beaucoup sur le surréalisme. On a commencé avec du land art. Donc, on est vraiment parti d'un petit héros qui est un petit morceau de bois qui s'appelle Thibois et qui nous a permis de découvrir l'art et la poésie dans la nature. Donc, ce qui est à portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de musée, il n'y a pas besoin de matériel extraordinaire, il faut un carré d'herbe. On est sorti, on a observé et de là on a démarré. On est parti alors sur Archimboldo et très vite on a créé des portraits à la manière d'Archimboldo, mais en faisant de la poésie, parce que c'était coloré comme une fleur, c'était un héron comme une tomate, ou enfin voilà. Donc on est vraiment parti déjà sur des métaphores, des idées, de l'imagination. Puis on est parti sur Magritte. Et avec Magritte, là, ben, d'office, la poésie prend part tout de suite, puisque ben, un caillou qui vole, un visage en forme de pomme, une pluie de personnages, on est directement parti voilà, sur de la poésie. Qu'on n'a pas traduit par des textes, mais qu'on a traduit par des tableaux. Donc on a déjà fait dans une sorte de tableau-poème. Et là, dernièrement, avec Miro, on est allé vraiment alors sur un projet d'écriture, et d'écriture d'haïku, plus précisément, parce que ce sont des poèmes qui sont abordables pour les petits. Et en plus, via la littérature jeunesse, où c'est encore plus facile d'entrer donc, dans cette poésie. Je travaille comme un jardinier, dit Miro. Les choses viennent lentement. Je pense qu'entrer en poésie, c'est prendre le temps. Sans ce temps, on ne va pas pouvoir regarder, écouter, peut-être un tableau autrement, voilà, être dans une autre approche du monde qui nous entoure. Avec mon escargot, chaque fois je commence avec les enfants par une petite météo du jour et on fait un petit rituel pour se poser. Et ce petit rituel, il est né tout simplement d'un tableau de Miro. Il y a une drôle d'échelle. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être sur l'échelle? On dirait une oreille. Exactement. L'idée est bien d'écouter le tableau. Et qu'est-ce qu'elle fait cette échelle? On va aller dans l'imagination, mais en même temps, on va quand même garder un peu les pieds sur terre et avoir un peu de réalisme. Un petit peu des étoiles. Un petit peu de terre. Un petit peu de terre, on le ramène dans notre ventre, là où il y a plein d'émotions qui vont sortir. Dans le miro-monde. Et dans le miro-monde, on le transforme. On le change, on le métamorphose pour en faire sortir un poème. Et je crois que vous avez quelques petits poèmes émotions à nous dire. Je songe serein comme un ange. Comme un ange. Caressant de ses ailes. Caressant de ses ailes, on les sent, hein. Le cœur de la planète Terre. Le cœur de la planète Terre. La proposition, c'est de créer un petit poème au départ, choisir l'émotion centrale qui vous anime et en le faire sous forme de poésie. Une fois que vous avez écrit votre petite poésie à retravailler,
créez votre petit bonhomme émotion en jouant. Vous allez avoir toutes sortes de formes de corps, de formes de tête, et des symboles qu'on va retrouver dans les tableaux. Et puis aussi, la chose importante, c'est le fil qui relie les éléments entre eux. Je vous ai mis, pour vous aider, des tableaux qui, pour moi, me faisaient aussi penser à ces fameux bonhommes émotions avec de nouveau le trou. Et j'avais envie de vous montrer ce petit livre en lien d'une histoire racontée dans son cœur par Anna Lenas. Il y a énormément de similitudes dans le vécu de Miro. Il faut que j'arrête. Que j'arrête, et comme dans ma météo, elle sent un grand vide. Là, elle entend que la terre lui a quelque chose à lui dire. Oh, comme en poésie. Tiens, si c'était le caillou qui avait quelque chose à me dire. Et la terre, le gros caillou, lui dit, oh, écoute à l'intérieur. Une petite musique, un monde un peu imaginaire sort de son ventre. Face à ça, elle va se sentir reliée. Pour revenir aux surréalistes, dans leur démarche, ils essayent justement aussi d'aller au fond d'eux-mêmes et de manière très spontanée, sans réfléchir, se reconnecter à leur imagination et aussi à leurs rêves. Qui est-ce qui se souvient quand il était au début de sa vie? Qu'est-ce qu'il y avait de difficile? La guerre. Il y avait la guerre. Et comme il y avait la guerre, Miro, il s'est dit, moi, je ne vais pas rester dans des émotions difficiles. Qu'est-ce que je vais faire, Naël? Des tableaux joyeux. Il va peindre des tableaux joyeux. Et il va aller voir ses amis poètes surréalistes. Et ça voulait dire quoi, un peu, les surréalistes? Ils allaient au-dessus de la réalité. Ah. Comme dans un autre monde, voilà. Et c'est pour ça qu'on crée, comme il dit, des sortes de miro-mondes un peu particuliers, un peu bizarroïdes. Et je crois que vous aussi, en regardant les tableaux de Miro, vous avez créé votre propre tableau. Avec les enfants, on est entré dans la toile du carnaval d'Arlequin avec un petit jeu. Il y a des petites pièces de puzzle. Ça permet aux enfants de se concentrer sur un détail et d'essayer de réfléchir à ce qui se passe dans cette scène. Peut-être que vous observez Miro, il vient faire le contour des formes et il diminue, il rétrécit, il agrandit, transforme, hein, puisque c'est un surréaliste. Pour les enfants, pour déclencher cet imaginaire, on peut proposer un jeu avec un lancer de dés, un dé qui lance la couleur et un dé qui lance un chiffre. Et ce chiffre fait référence à des formes. Une fois qu'elles seront toutes créées, ils vont essayer de voir ce qui peut fonctionner pour créer un personnage, pour créer une figure, un arbre. La deuxième étape, c'est de créer son tableau poème. Donc là, il va falloir inventer une histoire avec laquelle vous allez créer vos formes et les mettre en scène dans le tableau et les relier. Ceci est aquarellable, hein, donc si vous utilisez de l'eau, ça va faire comme de la peinture. Oh, ça fait trop beau! En ouvrant grand son œil, Arlequin a vu tomber une petite étoile du ciel. Parmi les poissons, il l'a récupérée. De son grand magique, il a renoncé. Elle retrouve sa belle. Bravo. Et puis Lucie, qu'est-ce qu'elle fait l'étoile? Elle entend la musique du carnaval, elle danse. Et elle va se prendre d'amitié avec Bonhomme Serpente. Et Hugo, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Ils vont dans un défilé de chapeau. Pour chasser Bonhomme. On dit souvent que les albums jeunesse sont pour les petits-enfants, donc à la maternelle et dans le degré inférieur de l'enseignement. Pour moi, on devrait amener des albums jeunesse à tout âge. Pourquoi? Parce que déjà, ça amène au niveau vocabulaire une richesse immense. Et comme avec l'album jeunesse, il y a un lien dans l'émotionnel, ça marque beaucoup plus les enfants. On a vraiment, grâce à ce support, la possibilité de les toucher tous. À partir d'un album, on peut tout faire. On va en faire de la lecture, on va en faire de l'orthographe, on va en faire des mathématiques. Ici, on en fait de la poésie, on en fait un peu de l'histoire de l'art aussi. Donc c'est vraiment... C'est primordial, je pense, dans une classe, d'avoir des albums et de les exploiter, et surtout autrement qu'en faisant de la lecture gratuite, ce qui est important. Mais voilà, c'est une richesse incroyable qu'on peut exploiter. Papy, il est en train de peindre. Il peint.
peint des poèmes, des tableaux poèmes. Notre géant haïku s'est endormi. Et vous savez pourquoi? C'est lui qui faisait les saisons. C'est lui qui faisait les saisons. Mais on ne lui a plus chanté des haïkus, on ne lui a plus récité des poèmes. Alors le géant s'est endormi. Le papy, comment est-ce qu'il s'appelle? Takiguchi. Takiguchi lui donne, et il a donné pour toute votre classe, un carnet de poésie, un carnet d'haïku. Qu'est-ce que c'est un haïku, vous le savez? Non, oui, c'est une petite poésie. C'est comme une petite histoire, comme si on pêchait un petit instant, on entend un petit bruit, on voit une petite chose un peu étonnante. Alors pour vous aider encore un petit peu, je me suis dit, mais comment est-ce que Monsieur Miro, il a fait ça? Par petit groupe, vous allez recevoir une peinture de Monsieur Miro, comme un haïku. C'est une peinture haïku de Monsieur Miro. La vieille mare, une grenouille saute, le bruit de l'eau. D'après vous, dans les tableaux de Monsieur Miro, quel tableau pourrait s'appeler? Vous le voyez bien. Exactement. C'est le petit haïku qui va avec ce tableau-là. Allez chercher votre lunette d'escargot. Donc on va essayer de trouver des petits moments poèmes, pour en faire un petit tableau après pour les lire aux géants des saisons. On dirait que... Oh, non, comme si c'était une échelle qui nous emmène tout là-haut. Qu'est-ce qu'elles font, les plantes? Regardez un peu. Regarde un peu, ça. Un petit hérisson pollen. Et en fait, là, on voit la tête. Ils sont tous enroulés. C'est vrai, on va retenir... On dirait des serpentins. On dirait des serpentins. Un serpent. Petit bateau qui va sur l'eau. La coquille rencontre une petite anguille et on a déjà une poésie. On dirait comme une méduse. Avec tous les trucs. Est-ce que vous sentez? Oh, moi j'ai vu des méduses. Qu'est-ce que ça fait? C'est une méduse, comment? C'est écrasé à terre. Sentez un petit peu. Non, pas vous. Faites attention, hein. Méduse piquante, araignée. Mordante. Araignée mordante. Allez-y, mettez d'abord de l'eau. Hein. On peint bien le fond de l'eau. On continue ça lundi prochain. D'accord? Oui, mais regarde comme elle est mouillée. Allez, ben, rendez-moi les pinceaux. C'est bon, je lave. Comment je peux voir? Ah, moi j'ai déjà fini. Cette dernière question, ça fait quelques années quand même qu'on collabore ensemble, Marie, entre à la fois le centre multimédia, l'AFIBBC maintenant, et on nous demande de plus en plus que ça soit les instituteurs avec le programme PK, que également bibliothèque, de mettre en lien nos deux approches. Comment est-ce que tu sens cette complémentarité? Les programmes changent d'année en année, on nous demande de retravailler les choses différemment. Et c'est vrai que si on doit à chaque fois, nous enseignants, se remettre en apprentissage, se remettre en formation, alors ça devient quelque chose de lourd à porter. Et le fait que nous, on ait réussi à former un duo, bien, ce que tu m'apportes, c'est ce que je ne dois pas moi, amener moi-même. Et moi, je vais apporter ce côté plus gestion du groupe, etc. Mais ce qui est important, c'est que tu amènes toute ta richesse, toute la formation, puisque moi, je ne suis pas historienne à la base, je ne suis pas bibliothécaire, ce que toi, tu es. Et donc, ce que tu apportes est vrai. Et ça, c'est important, puisque nous, en tant qu'enseignants, nous ne sommes pas bibliothécaires. On a une approche du livre, mais qui est beaucoup plus scolaire. Et le côté aussi, par rapport à l'art, toi, c'est quelque chose... C'est ton métier. Et c'est vrai que nous, on aurait plutôt tendance à survoler, alors qu'ici, notre partenariat permet d'amener des choses qui sont vraies, comme je l'ai dit, justes, et qui ne peuvent qu'enrichir encore plus les enfants. Merci Marie, et je peux te partager que c'est vrai que c'est un bonheur de collaborer ensemble depuis pas mal d'années. Et à chaque fois, ça s'enrichit. J'ai envie de dire que tu viens avec une envie et on embarque dans une nouvelle aventure. Et merci d'abord de ta confiance, mais aussi de cette chance de bien être fluide dans notre collaboration.